Donc bonjour à tous, hein. J'espère que vous allez bien. Désolé, ça a été un peu speed là. Oui, c'est vrai. Tac. Oula, merde. J'ai pas la bonne scène. On était un peu speed de ce matin, mais du coup, on est reparti pour Triangle Stratégie. Project Triangle Stratégito. Alors, tac. Mets ça de côté, c'est qui a fait ça? C'est Fox, ok. Hop. Ah, c'est vrai que j'avais fait ça. Alors, le Battle Force est fini. C'est bien. Ils ont fait 400K. Par contre, je ferai peut-être un petit tweet cet après-midi pour me plaindre et pour apporter une piste d'amélioration, je pense. Parce que je vais te dire que la machine à ban, elle a tourné hier. Putain. À ce week-end. Tu vois ? Je vais vous dire exactement combien on a fait de ban ce week-end. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. On a fait 15. 15 bans, c'est hallucinant. Et je pense que ce serait bien que les modos soient invités dans un chat spécial. Quand il y a ce genre d'event, on puisse partager les infos pour ban les gens. Ce serait 10 fois plus simple. Parce qu'en plus, les mecs ils tournaient en fait. Les mecs ils tournaient sur plusieurs streams. Et c'était juste horrible. Let's go! Et bien sûr, c'est des comptes qui viennent tout juste d'être créés et qui vont se faire strike juste après, quoi, mais... juste pénible sur le moment. Et moi, le son a baissé. Non ? Let's go au château de l'île blanche. Donc pour rappel, hein, on est en guerre. On se retrouve avec Isande qui veut nous casser la gueule et... on a demandé de l'aide à Hayfrost. C'est quand même notre ennemi de venir nous aider. J'en ai plus faim. Pardon? Mais pour qui tu te prends? Alors que mon frère, dans sa grande bonté, autorise une prisonnière telle que toi à notre table? Tu devrais en pleurer de bonheur, espèce d'ingrate. Mais je vais m'occuper de faire couler ses larmes, va. Peut-être en te forçant à manger jusqu'à ce que tu éclates. Et puis, je te conseille de ne pas résister, ou la fourchette pourrait malencontreusement venir se planter dans tes yeux. Non! Ne vous approchez pas! Puis les conneries. Que se passe-t-il ici? C'est elle qui a commencé. Apparemment, l'hospitalité des Hayfrost n'est pas à son goût. Vous disputez comme des enfants. On attendait plus que toi, Erika. As-tu fini de travailler, mon frère? Que dirais-tu de dîner avec moi? Je partirai pour une inspection immédiatement. Je compte sur vous deux pour vous occuper de la gestion de l'occupation de la capitale en mon absence. Ce ne serait pas plutôt à Avlora de gérer tout ça? Avlora est partie avec ses troupes soutenir la maison Wolfort. C'est notre façon de les remercier de nous avoir livré Roland. Tu savais ce qui t'attend, frérot? Cela veut dire que plus personne ne viendra te sauver, princesse. Kata. Gustadolf et les autres seront absents. C'est cette nuit qu'il faut agir. Donc elle va essayer de se barrer, je pense. Pas une mauvaise chose. En fait, se dire que Gustadolf et Avlora ne sont pas à la capitale, ça lui laisse une marge de manœuvre. Conseil de guerre avec Avlora.
par ce qu'elle nous raconte. Et enfin, nous avons reçu des nouvelles de nos patrouilleurs. L'armée isantaise devrait arriver tard ce soir. Elle est plus petite que ce que nous avions prévu. Nous allons donc devoir nous battre de nuit. Nous devrions profiter du temps qu'il nous reste avant leur arrivée pour inspecter les environs et le terrain. N'a pas besoin de t'inquiéter ainsi. Mon armée et moi-même serons à tes côtés. Tu as fait le bon choix en décidant de nous livrer le prince Roland. Je veux juste m'assurer que nous sommes tout à fait prêts. Il serait dommage de le regretter ensuite. J'ai pris le jeu, au fait. Merci d'être passé nous voir sur le live de Léo, Cléo. T'inquiète. Bah, en fait, si tu veux, hier après-midi... Attends, je finis la scène et je t'explique. C'est ordure de Sorsley. Pourquoi est-ce qu'il nous envoie seulement une poignée d'hommes alors qu'on a promis de l'aider? Imagine qu'il va attendre que notre armée, celle d'Aifrost, soit presque décimée pour nous rejoindre avec le reste de ses troupes. Yamelan! Passe deux minutes pour te claquer une bise, te souhaite une bonne journée. Bonne journée à toi, Mélan. Il est donc prêt à nous sacrifier pour tirer profit de la situation. Peut-être que nous aurions dû nous allier avec Aifrost en fin de compte. Non, notre décision est prise et en douter ne nous mènera pas à la victoire. Concentrons-nous sur ce qui nous attend. Oui. Alors en fait, Regeki, il faut que je t'explique un truc. Hier après-midi, j'étais à la fois sur le stream de Mizu, de Bi, de Cléo et de Luthi. Et en fait, à un moment donné, on attendait que Mizu revienne. Et c'est à ce moment-là que Cléo a lancé son stream. Donc c'est pour ça que je suis passé... j'aurais trouvé moyen de passer quand même, mais c'est pour ça que je suis passé tranquille. Quoi. Mais comme je disais ce matin, hein, on a fait 15 bans sur la chaîne de Mizu. 15 bans en 3 jours. C'est juste abusé ce qu'on a fait. Mais là, il va falloir trouver un moyen de... Bah, pour les prochaines fois, de calmer le truc, quoi. Oh, y'a un chat qui est planqué! Voilà mon jaja! On a eu le même après-midi! Ouais. Mais c'était abusé. Hein. Là, va falloir qu'on décide d'un truc. Par rapport au stream de Mizu, faut voir si ça continue les trolls arrivés ou pas, quoi. Que c'est pas normal que les mecs viennent au calme balancer de la merde dans les chats, quoi. Donc il y a moyen qu'on passe en mail vérifié ou en phone vérifié. On va voir avec elle. J'ai adoré la chaîne de Camille, il y avait toujours 5-6 personnes. Alors, justement, moi, ça m'a cassé des couilles, cette chaîne. En fait, là où ça m'a un peu saoulé, c'est que Mizu, elle a pas pensé à nommer des modérateurs, ou ne serait-ce que mettre le chat en... de bloquer le chat, hein. Je crois qu'elle aurait pu, je suis pas sûr. Mais nommer des modérateurs, au moins, ça aurait permis d'éviter d'avoir les trolls qui passent aussi sur la chaîne de Camille, quoi. Parce que là, c'était infernal. Hein. Et le Selmax qui a pas compris que les mecs, c'était des petits trolls et essayer de les convaincre de ne pas parler de politique sur les streams. Mec, c'est des trolls, tu vas faire quoi? On va les convaincre comme ça, hein. Pas moyen de ne pas mettre de chat. On aurait pu bloquer, je pense qu'elle aurait pu bloquer en follower only. Et de dire, impossible de parler avant une longue période, quoi. C'est ce que je veux dire. Genre, tu mets une période de bâtard, et au moins t'es sûr que personne ne parle, quoi.
Elle aurait pu, hein, si elle avait pas envie de se faire chier à modérer le truc. J'ai pas eu un truc, moi, un accessoire. J'ai une amulette de foudre. Au moins, la résistance à la foudre de 30%. Je vais me mettre sur toi, tiens. Les rapports militaires. C'est vrai que je lis jamais les cahiers. Hein. Il y en avait quelques-uns sur le live de Cléo samedi. De ban et un, tu penses quoi d'Alain Soral? Yes. Bah, samedi, moi j'étais pas là. Alors le problème, c'est que Cléo, quand elle fait un stream le samedi, c'est que moi en général, je peux pas venir. Parce que samedi après-midi, c'est aussi mon créneau, quoi. Après, il y a pas que moi modérateur, quoi. C'est un avantage. Rappelle que je suis quand même avant tout streamer avant d'être modérateur. Bataille croisée. Ah, un truc de personnage. Let's go. On va recruter un nouveau perso. Là, hier, le pire pour moi, c'était les mecs qui balançaient des votés Zemmour avec des propos racistes. Le mec qui, à chaque fin de message, il traitait Misune d'info. Et en fait, comme c'était le même petit abruti, je le préchote à chaque fois. C'est assez marrant. Allez, encore un peu de patience. Il y a 30 ans, pendant la Grande Guerre, aux abords du fort de Val-Sablon. Pourquoi on a un flashback maintenant? Ah mais c'est lui, c'est le vieux! Là, je viens de comprendre. Archibald. Ça me ferait un deuxième archer. Vous allez me le payer cher! Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'était quoi ça? Il a lancé une flèche dans les airs et il a fini le fight comme ça? Yes. Genre, je vais recruter un vieux papy. Oh oui, samedi, il y a Giganto. Mais Giganto, il fait bien son taf. Hein. On va pas se mentir. Archibald! Épargne tes forces et mesure tes paroles, vieillard! Archibald, je suppose que c'est un archer? Les dégâts de ces attaques augmentent en fonction de la distance à laquelle se trouvent ses ennemis. La portée de son arc est particulièrement étendue. Ah! J'ai bien envie de le jouer. Mais je sais pas qui je remplace du coup. Hein, ce qu'il a comme attaque? Archibald le vieux papy! Archi-ermite! Inflige des dégâts physiques à un ennemi en ignorant sa défense. Plus un ennemi est aligné, plus les dégâts sont importants. Inflige des dégâts physiques aux ennemis dans la zone d'effet. Ah. On va voir. Si je dois remplacer quelqu'un, ce sera sans doute la tavernière. Je sais pas encore. Mais la tavernière, elle a quand même du gros soin.
Le sire Sorcey compterait elle m'emmener une invasion avec une si petite armée? Il n'est pas très au fait de l'art de la guerre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous rendez-vous compte à quel danger il m'expose? Cependant, je n'ai pas le choix. Les terres du domaine de Wolford sont une aubaine pour les bénéfices futurs de la maison ND. Au point où vous êtes même prêt à combattre Ifrost? Oui. Je doute que Sorcey soit assez stupide pour lancer une telle attaque avec si peu d'effectifs. Je flaire un piège. Serena Wolford, tes troupes formeront l'avant-garde. Ne fais aucun prisonnier. Elle a flairé le coup. Nani ? Salut. La maison Wolford est désormais alliée à Isante. Tout le monde en formation de combat. Elle a flairé le piège, mais trop tard. Neuf unités seulement ? Oh non ! Oh non ! Oh non ! Eh ben en vrai, on va dégager Frédérica. Tant pis pour mon maréchal Ferrand, hein. Là je pense que lui il fera plus le taf. J'aurais bien voulu mettre mon maréchal Ferrand là pour mettre des pièges et tout, mais ça suffira pas. Par contre là, il va y avoir de l'attaque de foudre. Il y a qui de quel côté? Ok, donc là il y a deux mages. Le tank, le DPS. Peut-être trop d'archers ici. Elle, elle aura la mobilité pour se passer sur le... Attends, on peut la mettre sur le bâton ? Ah. On va la mettre sur le bateau, tranquille. Elle vient de nous aider de ce côté. Ça semble pas mal. Ça semble pas mal. Allez, on tente le coup. Baston. Ah, Ifrost est en train de paniquer, on dirait. Serena Wolford, espèce de traître. Tu fais ce qu'il fallait pour sauver ma maison. J'ai été stupide de te faire confiance. Cependant, tu me sous-estimes si tu crois me faire reculer ainsi. Soldat, montrez-leur que vous êtes la fierté d'Ifrost. Passe en accélération directe. Ouais, ça pue si je la fais avancer autant. Il y en a besoin. Double attaque directe. J'espère que le papy dépèse bien. Attends, ils ont pas d'archer? Ils en ont qu'un. Ils ont deux. Attends, ils ont que deux archers? Mais ils ont que deux archers! Let's go en fait! Attends, t'es la botte du faucon. Ah
bientôt. Allez, Booker! Ok, il a du poison, lui. Ah, il a le tour double aussi. Oh, putain. Quel enfoiré. Et pourquoi il vient sur moi? Bande d'enfoiré. Voilà, battez-vous avec eux, là-bas. Ah, les archers vont piquer un peu les miches. Je peux pas flèche multiple? Ah, j'ai pas la portée. Attends, mais le vieux, t'es en train de me dire qu'il a une portée de merde? Oui. ouais. Ah si, là, je peux le faire, les flèches multiples. Ah d'accord, c'est ça, ces flèches multiples. C'est pas ouf. Là, je m'attendais vraiment à un bourrin, et en fait, je me rends compte que c'est une vraie merde. Dans les jambes. Ah oui. Ah ouais, ça pique là. Ça pique beaucoup. Bonjour bon monsieur. Bonk. Bien sûr qu'ils vont les soigner. Putain. J'aurais dû mettre un magot derrière en fait. J'aurais pas dû prendre l'archer. Qui me la tue par contre. Hein. Non mais t'es sérieux? Non mais ta vernière elle tanque tellement pas les dégâts. Ça me rend ouf à chaque fois. Hein. Ou alors il faut pas que je l'avance. Donc je la laisse en arrière à chaque fois. Yojo! T'es ici pour un beau gosse offrir du beau jeu? Je suis en train de me faire éclater, mec. Allez, ça c'est bien joué. En train de me faire full éclater. C'est bien, toi, ça va. Et il faut vraiment que la tavernière, il faut que j'arrête les conneries avec, hein, je pense. Faut que je la laisse en arrière. Ça m'amuse bien pour le moment, les fights, ouais, c'est un plaisir. Allez hop, ça dégage. Est-ce que je me mettrais pas plutôt derrière lui pour le finir? Non, c'est le tour de qui après? Attends. Ouais. Ah, il faut mieux le tuer maintenant. Ouais, let's go.
Ça, il est fini. Les dialogues au secours, pourquoi? C'est quoi le problème avec les dialogues? Ah ben voilà, il pue la merde. Putain. Hey mon papy! Dialogue long. Ouais, bah en fait, c'est le problème du jeu, c'est qu'il y a beaucoup de narration. C'est vraiment le point faible du jeu, en fait. Je vais même pas le soigner correctement. On va lancer un éclair, hein. C'est vrai que le début du jeu est très long. Ils sont bien écrits, mais c'est long, ouais. C'est très narratif. En fait, c'est ce que je remarque avec ce jeu. Bon, bah, j'ai perdu Serena. Bon, bah. Alors. Comment dire que je vais perdre le fight? Serena, c'était pas une bonne idée. Bah, marcher là, c'était pas une bonne idée. En fait, j'ai l'impression que le jeu, il est très narratif et qu'au final, les combats, c'est plus secondaire. Oui, je suis d'accord, ça fait extrêmement plaisir de voir un tactical à l'ancienne. Je suis en train de perdre tout le monde. Aïe. Sortez-le de corps. Ah, il a un spell de flèche multiple, mais ça lui sert à R. Putain, ça fait tellement pas de dégâts. On te dit, ouais, c'est un archer légendaire, tu vas voir, il est ultra badass. Ouais, non, il pue la merde. Ah, elle va avancer, elle va mettre un coup, voilà. Comme d'hab. C'est vrai que ça en est où? Bah, j'ai pas le jeu. M'achète le jeu, je joue. Voilà. Ouais, ça en est. Premier FS. Là, j'ai pas la portée. Let's go. La faux clean. Lui, à la limite, je peux me le faire. Même pas. Enfin... Je manque de heal, en fait, sur ce fight. C'est pour ça qu'il voulait que je prenne l'apothicaire. Regarde-moi ça! Il attaque trop! C'est un peu alpha y jouer, ouais. Ah, en vrai, si tu veux, l'exploration, j'aime bien. Le côté exploration qu'ils ont fait, j'aime bien. Ce qui me casse les couilles dans Elden Ring, c'est qu'on reste sur le... On reste sur le gameplay France... Enfin, le gameplay Dark Souls, quoi. C'est ça que je trouve dommage. Première fois que je cache le chat, bah mec, pas mal.
Viens archer légendaire de mes fesses. Meurs. J'ai perdu le papy. Vous savez le pire? C'est que je joue en normal. Je joue même pas en difficile, là je joue en normal. Je me fais ouvrir le cul en normal. Bah Dark Souls, il y a Sekiro. C'est vachement proche de Dark Souls quand même. Tu sens la patte. En fait, j'aurais dû inverser, j'aurais dû mettre Erador de l'autre côté. Pour tanker. Deux pétés à un allié? Let's go en fait. Montre-leur. Par contre, j'ai vu, bah c'est toi qui l'avais RT le mob qui fait embuscade là. Le mob qui fait l'embuscade du Valstrax. Ah, c'était beau. Ah, yes. Ça, ça m'a bien fait rire, hein, de voir le mob sauter et après tu le vois arriver dans une putain de... dans une putain d'explosion. Parfait. Je passe aux mêmes mécaniques. Dark Souls, la base, c'est taper, rouler, taper, rouler. Quand t'es en difficulté, tu explores aux environs pour contourner les difficultés. Ça pue du cul là pour ma magotte. Hein. Attends, zone curative déjà. Ah. Ça me fait chier d'avoir perdu la tavernière dès le départ. C'est elle, elle aurait pu aider. Cap, c'est mieux que toi. Merci à Malice pour le sub, merci beaucoup. Comment tu vas? 4, c'est mieux que toi. Comment allez-vous, bande de gens? Et toi, comment tu vas? À mon avis, ce fight, il va falloir que je reboot, hein. Je vais pas avoir le choix, hein. Je me fais tellement défoncer la gueule. Tiens, envoie-le sur Julio. Hop. Et Julio finit. 3, je sais pas écrire le matin. 4, c'est mieux que 3. Oh putain. Non mais j'ai compris, hein, t'as dit que le chiffre 4 était meilleur que moi, hein, tout simplement. Voilà. J'ai compris. Allez, j'ai perdu ma healeuse. Va puer du cul. Regarde ce qu'on va faire. Dissimulation. Je suis en train de faire mon planning semaine et to-do liste jour, pour l'instant rien. 4 super à Arches. Et là j'ai toujours pas tapé la bosse, hein. Oh. Attends, il y a toujours l'archer qui est par terre là. Ah non, il a monté lui. Il a monté, il s'est fait taper la gueule. Je peux pas... Si, je peux lui mettre un petit coup d'arc. On va reculer de 1. On verra si je peux me soigner.
4 supérieurs, c'est quand tu fais ton émoji cœur à feu. Ah ouais, non mais là, il y a plus que foiré, là. C'est dur, là. Hop, pique soin. Faudrait que je redonne des points techniques, par contre. Il reste un archer, un healer, un cac et le boss. Bah alors. Ah, tu peux interrompre le tour si jamais il marche sur toi quand t'es fufu. FDR. Énorme. Sekiro ultra carré, taper un ennemi sur sa garde ou en hit, fait monter une barre de posture. Contrer parfaitement un monstre aussi cette barre. Voilà, Sekiro s'est vulgarisé, tu gères ça, t'as compris le jeu. Prête à partir. Chouchou. Ah, je peux redonner à distance. Ça, c'est bien. Prends des points de technique. La synergie entre Giulio et le mage, là. Pas mal. On se le fait lui là. C'est un jeu difficile. Si tu fais pas ça, tu vas te faire laver Dark Souls comme délire. Comme c'est délire RPG, t'as moyen de cheese. Regarde-le, lui il se barre. Il se barre du combat. Voilà. On t'entend la gueule. Je vous conseille de retirer votre armée rapidement, cher Avlora. Personne ne vous en voudra si vous fuyez, vous savez. Tu as l'air ricanement grossier que ton maître, mais je ne suis pas du genre à avoir peur de vous tous. Bah écoute, si t'as pas peur, t'as une raison d'avoir peur, hein. Nickel. Ça dégage. Sekiro que je kiffe le plus parce que c'est celui qui me fait plus penser au gameplay que j'adore d'une certaine licence. Il s'appelle Monster Hunter, non? Je suis pas sûr. Oh, c'est ton moment. Cyclone suffira pas. Attaque de glace. Voilà, c'est beau ça. Allez, on finit l'archer. Bonk. Marrant comment il veut pas taper Avlora. Comment il va le cerner le petit futé? Ah bah, au jour où je commence à te connaître, hein. Au bout d'un moment... Tiens, les cognes. C'est lui la clé du fight. Donc là, il faut que je récupère un max de d'items. Ah voilà, elle aussi, elle a compris. Elle a compris que c'était lui la clé du fight. Hop. Elle est immune aux altérations! Salope. J'ai pas d'autres mots. Lui qui se casse le plus loin possible, toujours. La loyauté chez ces gens-là. Elle est sensible aux... Elle est insensible aux altérations, donc ça vaut pas le coup de la... d'essayer. Hein. Il passe son tour de pour faire ça. Ixa! Oui. Hop. Coucou. Fatal Fool! Pika Pika! C'est ah! La chanson qui a changé tellement elle sait que je suis en... Et là, attends. Revanchard augmente les dégâts physiques infligés lorsque les PV sont inférieurs à 50%.
Et suicidaire inflige des dégâts physiques à un ennemi au prix d'équivalent de 5% de ses PV. Avec l'amulette d'altération qui milise contre toutes les altérations d'état. Ça va ? Bon, j'ai encore des gars en tête. Hein. Un de suite en 130 FPS. Alors, pas exactement au jeu. Pas exactement. J'ai vu qu'il était pas totalement en 60. En vrai, j'ai envie de faire ça. Ah non, provocation, ça marchera pas non plus. Je suis Avlora, général des armées aéfrostoises. Je ne vous laisserai pas m'humilier ainsi. Vous allez payer pour avoir volé la vie de mes camarades. En fait, au jeu, tu verras qu'il y a des moments où le jeu descend en termes de FPS. Mais en vrai, on s'en fout. C'est pas le but du jeu. Donc on s'en fout. C'est un jeu qui tourne très bien. Que ce soit en 30 ou en 60 FPS, on s'en fout. C'est pas un jeu où t'as besoin d'être tout le temps réactif. Il a raté son coup. Allez, on peut se la faire. Regarde-le comment il fuit, lui. Au lieu de nous aider. Oh putain, j'y croyais pas. Retirons-nous temporairement. Mais elle est pas morte? Non mais au contraire, c'était le moment pour la tuer. Tu vois là au jeu, quand ça affiche victoire ou début du combat, t'es pas en 60 FPS. C'est sympa, j'ai mis ce clic et en revenant sur la live, j'ai une pub alors que je suis sub. Tu t'es arrêté de me respecter? Ah, j'ai l'impression. Hein. Twitch, le respect, ça, tout ça, on en parlera un autre jour. Qu'est-ce que je te dis? Vous avez perdu, général Avlora. Abandonnez. Tout s'est passé exactement comme prévu. Excellent travail, Serenor Wolfort. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu face à un stratagème aussi évident. Quoi? Attends, quoi? Attends, il se passe quoi là? Quoi? C'était quoi ça? Que se passe-t-il? Que sont donc ces flammes étranges? L'explosion et la fumée viennent toutes deux de la direction du château des Wolfort. Les renforts de Isant? Ixam! Que fais-tu ici? Je vais vous annoncer que c'est moi le vainqueur de cette bataille. Et vous remercier d'avoir joué le rôle d'Appa à la perfection, mon cher Sensei. Qu'est-ce que tu me racontes? Je vous dis que j'ai gagné. J'ai fait tomber le château de Wolfort. Il dit vrai. Le signal de fumée rouge. Seuls les membres de notre maison le connaissent. Le château est tombé. Putain, le Vaxtrax, là, je crois que c'est un boss assez avancé. Ouais, ouais. Mais il était marrant, ton boss, là. Nous avons donc perdu. Mais la prochaine bataille ne se passera pas comme ça. Soyez-en sûrs. Vraiment, j'ai hâte de voir cela. Quant à vous, Sir Serenor, je vous demanderai bien de me vouloir m'accompagner jusqu'à votre château. Vous êtes libre de rester ici et de fêter votre victoire avec Sensei. Mais vous devez être très inquiet pour votre père et vos habitants, pas vrai? Oui, rentrons. Putain, Exam, il a réussi à nous la faire à l'envers! L'enfoiré! Pendant que tout le monde se battait, lui, il est venu chercher les gains. Quel bâtard. Dégoûté.
Ça ne se, ça ne se passera pas comme ça. Disparition. En plus, Avlora, c'était le moment de la tuer. Hein. Là, tu enlèves Avlora à l'armée Aefrostroise, ils ont plus personne. Alors que la bataille faisait rage entre les trois armées, les troupes d'Exam Martial firent soudain irruption et dominèrent les affrontements. Sentant la situation tourner à son désavantage, le général Avlora battit immédiatement en retraite. C'est sur ce dénouement inattendu que les combats prirent fin. Le cœur et la bouche de l'action. Il fait 10 mètres le boss, mais son moyen de déplacement c'est un cheval taille normale comme utilisent les humains. Family. Bah, c'est comme le gobelin du pont dans Tous les princesses. Hein. C'est pareil. Hein. Il a une petite monture de merde et lui il est gigantesque. Hein. Seul le seigneur de ce château a le droit de s'asseoir là. Descends de ce trône, misérable. Mais justement, il nous appartient désormais. Votre citadelle est tombée, et ce, grâce à notre arme secrète. Alors ces flammes violettes, ce sont vos nouvelles armes de guerre? En effet, des sortes de cristaux développés par la faculté. Ils ne sont pas encore tout à fait au point, mais comme vous avez pu le constater, ils sont efficaces. Si vous vous révoltez, nous allons devoir les réutiliser. Ce ne sera pas nécessaire. Je ne souhaite pas voir mon peuple souffrir davantage. Bien, je vois que vous n'êtes pas stupide. Garde, laissez-nous. À vos ordres. Que signifie cette comédie? Être jeune et talentueux attire beaucoup d'ennemis. Un bon jeu d'acteur est parfois indispensable pour se faire respecter. Serenor, je suis simplement venu vous parler. Écoutez ce que j'ai à dire et je m'en irai immédiatement. De quel genre de conversation parlons-nous? J'aimerais débarrasser mon certain pays de certains parasites qui s'engraissent sur le dos de notre déesse. Et pour cela, j'aurai besoin de votre aide. En ce cas, je vous écoute. Putain, c'est un bordel sans nom ce jeu, n'empêche. Avant d'entrer dans les menus détails, tenez, ceci est pour vous. Et qu'est-ce que c'est? Des médicaments pour Sir Simon. Comment savez-vous qu'il est malade? Je suis allé dans sa chambre. Alors la rumeur disait donc vrai. C'était du bluff! Ouais, ce pixel art, en fait, il est non seulement taffé, mais surtout... en fait, ils ont été assez intelligents pour mettre ce côté animation 3D en plein milieu du pixel art. Genre, les flammes sont animées en 3D, l'eau est animée en 3D. Et c'est ce qui rend ce côté vraiment unique. Ces médicaments sont bel et bien réels. Ils prémunissent des attaques cardiaques. Vous savez ma gratitude. Allons bon, c'est peu de choses quand je pense à ce que je vais vous demander de faire. Dois-je en conclure que vous voulez passer un marché? C'est les mêmes devs qu'Octopass Traveler, exactement. Exactement, vous connaissez certainement Sensei Yede? Vous voulez dire le vieux con qui était à côté de nous il y a 5 minutes? Yes. Oui, Amalis, c'est les mêmes devs. C'est exactement les mêmes devs. Il est membre des 7 saints de Isante. Il dirige le clan ND, qui s'occupe depuis maintes générations de l'extraction du sel depuis la source. Il use et abuse de ses prérogatives pour vendre du sel au marché noir. Il en dégage de généreux profits. Il verse dans la contrebande de sel? Il en vend sans passer par la firme d'Anzelienne, donc. Alors c'est précisément la régulation de la vente du sel à travers la firme qui assure l'équilibre économique de nos pays.
Les allégations contre le Seigneur Sensei sont vraies, il serait en transgression directe du traité de Norzelia. Exactement. Un véritable crime de guerre qu'il est en train de commettre, et il salit l'honneur et la réputation de Isant. Aïe. Il joue à LOL, le gars. C'est lui qui gère la source de sel, hein. La source étant gigantesque, vous ne pouvez probablement pas en surveiller les moindres recoins. Je reconnais volontiers que c'est aussi notre faute, puisque nous avons laissé Sorcel y faire tout ce temps. Mais s'il vend du sel à Aefrost, alors les choses deviennent très graves. Y'a plus de Zawardo? Comment ça y'a plus de Zawardo? Tu racontes au jour? Coup dur pour eux. Du sel de contrebande. En effet, j'en ai déjà entendu parler. Alors je ne m'étendrai pas en explication. C'est non seulement contraire à la loi, mais cela prend aussi les autres pays à la gorge. Nous ne pouvons pas feindre de rien voir. Et donc, que voulez-vous? Je veux qu'il soit destitué, qu'il perde son rang, voire pire. Devrons l'assassiner? Vous comprenez vite, mon cher ami. Je vous laisse donc ces médicaments. J'en profite pour vous rendre votre château. Vraiment? Évidemment, je viens de vous imposer une tâche très dure. Très ardue, c'est la moindre des choses. J'en déduis que je n'ai pas le droit de refuser ce marché. Je me répète, mais vous comprenez vraiment vite. Sur ce, je vous laisse. Puisse votre père va se permettre se remettre rapidement sur pied. J'arrive plus à parler. De quoi tu parles au jour en disant il n'y a plus de Zawardo? J'arrive pas à le trouver pour dépenser des points, mais au jour. C'est pas avec des points de chaîne pour celui-là, c'est avec des bits. C'est 111 bits. Tu peux faire point d'exclamation bits pour savoir. Un truc de personnage. Mais oui, Ojo, c'est pour ça que tu peux pas le faire avec les points de chaîne. Et qui est con? Et que ça, il va se prendre l'aller-retour de ma main tellement il est détestable. C'est pas le pire. Odamari! C'est pas le pire, Ojo. C'est pas le pire, Alice, pardon. Putain, secours. J'aurais pu en parler. Quel enfer. Quel enfer! Crois-moi, j'en ai vu des plus dégueulasses, hein. Ne prenez pas nos céréales! Tout le monde raconte pourtant que le Sir Wolfort est bon avec le peuple. Ah ouais? Il a pas ordonné ça? Faut laisser le peuple 4 non-stop? Bah non! C'est ça le but! Faut faire dépenser des points de chaîne au jour! Masaka. Et le Pop 4, il est là depuis 6 mois, hein, déjà. Ouais, enfin, le Pop 4, il fait lag le son, j'ai du F5, quoi? Et pourtant, il n'y a pas de différence, quoi. Ça change rien à ce que moi, j'en vois, hein. Oi, oi. Sore de Waka ga yorokobu to demo omotte no ka? Vas-y, Julio, t'es mon bro. Fous les gens en tôle, t'inquiète. J'ai envie d'aller le thème à Batman, bah regarde. J'ai dû entendre deux fois les mêmes phrases, trop bizarres. Ah, bannis pas les bots. Bannis pas les bots, Amalice. Amalice! Stop! Parce que c'est des bots qui servent à des stats, ça.
C'est des bots qui servent à des sites de stats. T'inquiète. On s'en fout. C'est pas des mauvais bots. Tu vois ce que je veux dire? À 9h TTV viewer, il doit y avoir... Ah bah en fait, j'en vois pas tant que ça aujourd'hui. En de rire. C'est pas grave. Yo Mix, passe faire un bisou avant d'aller au boulot. Ça va, ça se passe bien ton taf? T'inquiète, Amalys, on s'en fout. Crois-moi. J'en vois 8. Alien Gathering, Axios Bot, Another TTV Viewer, Ava Semaphore, Big Damn Judge. Ça fait 5. Enfin, je vois pas forcément les autres. Mais c'est pas grave. Sorsai qui est dans la merde. Y'a que Zephora, c'est un bot. En fait, Amalys, il faut savoir que certains de ces bots, ils servent à faire des statistiques ou des trucs comme ça sur d'autres sites. Tu vois, genre Sulignome, Twitch Tracker, etc. Donc, autant les laisser, on s'en fout. Eux, ça leur fait engranger de la stat. Nous, on s'en branle. Si tu veux, ces comptes-là, s'ils n'ont pas été bannés de Twitch depuis toutes ces années, c'est que Twitch eux-mêmes, ils s'en foutent. Alors que des comptes qui viennent d'être créés et qui spamment de la merde dans les chats, c'est plus chiant. C'est beaucoup plus chiant. Ah mais je sais, hein, c'est chiant de voir ça dans la liste des viewers du chat, hein, alors que les mecs participent pas. Hein. T'inquiète pas, je suis le premier à qui ça fait chier. Hein. Mais il y a une autre utilité en fait. Le fait de se dire que ça permet d'engranger des stats, ça veut dire que t'es référencé sur certains sites. Tu vois là, par exemple, si tu tapes mon pseudo, je pense que si tu tapes mon pseudo sur Google, tu vas peut-être tomber sur des sites de stats. Donc c'est toujours ça de prix pour le référencement, quoi. Même si c'est chiant, quoi. Tu vois, Archesel, je tombe sur Twitch, Instagram, YouTube, Pepistream, Twitch Tracker, Ulule. Oh putain, il y a mon compte Ulule. Oups. Mon Linktree. C'est quoi ça, Pico.live? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah d'accord, il y a un site qui intègre... ils intègrent Twitch. What the fuck? Et le site Pico.live, en fait, c'est un copier-coller de Twitch. D'accord. Streamer Club? Mais Streamer Club, c'est pas mort, ça? Bah, Streamer Club, c'est full mort, en fait. Pour de rire. Ça marche, Mix, des bisous. Des bisous, des bisous. Moi, j'ai plus rien du tout, c'est des stats. Ouais, bah, après, c'est comme tu veux. Hein. Attends, mais comment ça, j'ai... Quoi? Quoi? D'accord, apparemment, je retombe même sur mon compte Rakuten qui vend des trucs que je n'ai plus. Ok. Pourquoi pas, hein? Envie de dire. Je suis pas un bot, non, mais oh. Zef, assume ton rôle de bot, je sais pas. Tu veux que je te dise. Comment tu vas, Zef? Ourg. Ourg.
Oni ? Oni-sama ! Mon frère ! Cordelia ! Silence ! Oni-sama ! Mon frère, vous devez vous enfuir ! Non mais toi, ça va, je te remercie. Là, c'est ma semaine, là. C'est reparti, là. La semaine dernière, on a passé une semaine de merde. Cette semaine, on charbonne. J'ai joué jusqu'à 2h à Elden Ring, je suis KO pour le boulot. Ah bah super. Tu l'as trouvé ? Non, pour l'instant, on n'en parle à personne. Si nos supérieurs l'apprennent, ce sera la peine capitale pour tout le monde. Les soldats qui disent... Non, surtout pas dire... Je suis vraiment désolé, Roland. C'est entièrement ma faute. Ne sois pas ridicule. Ton courage m'impressionne beaucoup, tu sais. Allez, il faut qu'on parte. Elle va rester. Cordelia. On parie combien ? Cordelia. Non, je reste ici. Mais enfin, pourquoi ? Ça n'a aucun sens. Je suis la dernière femme de la famille royale. Je dévoilerai aux yeux du monde les secrets d'Aifrost et je vengerai la mort de mon père et de Franis. Rien, Kinder Bueno, que quoi ? J'ai perdu un Kinder Bueno ! Voilà. Faut donc réellement épouser l'intendant ? Oui. Je reviendrai te sortir d'ici. D'ici là, fais bien attention à toi, Cordelia. T'étais sûr qu'elle allait rester et qu'elle allait pas s'enfuir. T'es sûr. L'époque médiévale, les mariages arrangés, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Imagine. T'es en paix. T'as ton royaume, tranquille, etc. Et là, t'as les ennemis qui viennent, qui disent « Vous avez tué un des nôtres qui était important pour nous, alors qu'en fait, c'est eux qui l'ont tué eux-mêmes. Donc, on vient vous faire payer ça en vous envahissant. » Donc, l'ennemi envahit ta capitale, fait tuer le roi, le premier fils de la famille royale. Donc, il ne reste que la fille et le deuxième fils. Le deuxième fils s'enfuit et ton ennemi veut se marier avec la fille pour justement asseoir sa légitimité au trône et pour du coup récupérer les deux pays. Les bons cas rangés surtout entre un mec et une fille. Pourquoi n'ont-elles pas écrasé leurs adversaires ? Je pense qu'ils ont l'intention d'utiliser la maison Wolford pour mener leurs troupes contre nous. En apparence, rien n'a changé, mais dans les faits, il faut mieux considérer que Isant offrira son soutien à Wolford. Décidément, il faut s'en méfier comme de la peste. D'après le général Avlora, ils ont utilisé une arme inconnue qui provoquait des explosions aux flammes vertes. Ça marche. Certes, mais s'ils n'ont fait qu'un tir de sommation, c'est que cette arme n'est pas encore vraiment opérationnelle. Cela reste toutefois un vrai problème. Tout est de ma faute, monsieur. Il n'est jamais bon de prendre goût à la défaite, Avlora. Ce sont des victoires que j'attends de toi. Ne t'avise pas de me décevoir encore. Bien sûr. Taras, où se trouve le prince Roland ? Je suis désolé, mon frère. Je n'ai encore aucune information fiable à ce sujet. Mais j'ai promis une forte récompense à qui nous l'amènerait. Cela devrait bientôt porter ses fruits. Sert à rien ! Tant qu'il sera en vie, il représentera un obstacle. Alors fais en sorte de le retrouver. Donc du coup, petit rappel du planning de la semaine. Aujourd'hui, mercredi, vendredi matin, on fait du triangle stratégie. Demain après-midi et jeudi après-midi, je sais pas ce qu'on va faire, mais on le fera. Voilà. Et ce week-end, je suis absent puisque je monte à Paris chez Mizu et Luti. Donc dimanche, vous me verrez sur le live foot tour de Mizu. Voilà. Foot tour raclette.
Sire Serenor, le prince Roland est de retour parmi nous. Que dis-tu? Est-il sain et sauf? Oui, Sire Serenor. Salut les gueux! De retour! Oh, prince Roland! Serenor, m'autorises-tu à revenir sur tes terres? Cela va de soi! Anna, j'espère que... Bien sûr, j'ai fait garder le secret. Seules les personnes présentes dans cette pièce sont au courant. Parfait. Alors veille à ce que plus personne ne s'approche de cette salle. Bah déguise-le en fait. On a le masque de Maxwell. Mais lui ? Cordelia va devenir l'épouse de Gustadolf. L'annonce sera proclamée dans les jours à venir. J'ai hâte de te voir streamer du je ne sais pas. Demain et jeudi. Je sais pas encore ce que je vais faire en fait. Mon frère va se marier avec la princesse Cordelia ? Exactement. Il essaie d'obtenir la succession du trône de Glenbrook. Alors comme ça, Gustadolf lisait la couronne? Mais dans ce cas, pourquoi avoir fait assassiner Monseigneur Dragan? Pas de mesbase, Bénédicte. Ma sœur semblait déterminée à l'épouser, mais je veux l'en empêcher. C'est pourquoi j'ai une faveur à vous demander. J'ai besoin d'aide pour faire tomber le duché. Rejoignez-moi dans ce combat. Ouais, mais c'est pas le moment, frère. Eh bien alors, que vous arrive-t-il? Roland, très délicat à dire, mais... Nous avons pu garder nos terres, mais nous sommes désormais plus tout à fait libres de nos mouvements. Les armées d'Aefrost et de Isant étaient prêtes à s'affronter pour savoir qui annexerait les terres des Wolfort. Et donc, nous avons conclu un marché avec Isant qui nous permet de rétablir notre situation, mais nous devons maintenant l'honorer. Je comprends. Tu as privilégié la survie de tes habitants et c'est normal. Excuse-moi de m'être imposé, je pars immédiatement. Si je reste ici, vous aurez des ennuis. J'en ai eu la démonstration. Ne partez pas encore, votre Altesse. Vu la situation, je pense qu'il n'y a plus un seul recoin de Norzelia qui soit en mesure de vous accueillir. En ce cas, que diriez-vous de jouer un rôle dans mon plan? Je te trouve bien présomptueux, mais dis toujours, en quoi puis-je t'aider? Je veux que vous retiriez la noix à votre doigt. Ouais? Ma chevalière? Ce qui prouve mon appartenance à la famille royale? Pourquoi donc? Parce que vous devez mourir, votre tête. Ah putain, je vois son plan! Non. Non. Est-ce qu'il va faire croire que Roland est mort de la main des... Mince. De la main de Serenor pour essayer de gagner du temps et se retrouver avec des faveurs du duché? Non. Là, il abuse, Bénédictin.